Alors Francis, là, je vais te raconter un témoignage d'une femme. Raconte, ma sœur. Or, faut savoir que moi, j'ai déjà lu forcément parce que je l'ai écrit sur la feuille, et c'est un témoignage. Dieu fait de belles choses. Dieu fait de belles choses. Alors, je m'appelle Daisy. Je suis issue d'une famille bien financièrement. On n'a jamais manqué de rien. J'ai une grande sœur et un petit frère. Jusque là. Donc on peut déjà coucou Daisy. Bonjour Daisy. J'avais 7 ans quand j'ai été agressée et retrouvée étendue au sol devant le portail de la maison familiale. Chaud patate. Ouais, elle avait 7 ans. Chaud. Ce sont mes parents qui m'ont retrouvée à la porte de la maison. Je vais quand même te parler de mon meilleur ami qui s'appelle Trent. Parce qu'il joue un rôle essentiel dans mon témoignage. Meilleur ami. L'agression s'est faite 2 semaines avant le mariage de ma grande sœur. J'ai souffert longtemps d'une amnésie dissociative due au traumatisme. Ça veut dire? Tu connais, en gros, je ne serais pas vraiment très l'expliquer, mais en gros, ça veut dire que son esprit, s'il y a des gens qui font médecine, mettez en commentaire, mais en gros, ça veut dire que son esprit a décidé d'effacer le souvenir de ce souvenir-là. Tu comprends? Ok, je comprends. Cependant, 10 ans plus tard, à cause d'un fâcheux incident, j'ai retrouvé ma mémoire et découvert avec effroi l'identité de mon agresseur. Terrorisée, mais déterminée à protéger ma famille, je me suis donné pour mission de révéler la vraie nature du loup déguisé en agneau avant qu'il ne soit trop tard. Intéressant. Hein? Ouais, je continue. Si tu veux connaître la suite de mon histoire, il te faudra lire et acheter ce livre. C'est un livre? Je rigole. Oh, c'est ce livre. On va vous parler donc de ce livre. À tout de suite. À tout de suite. Allez, on va démarrer. On va démarrer. Allez, à nous aller. Ok les amis, donc c'est de ce livre dont je vous parle. Le titre c'est Souviens-toi. Il a été écrit par Oluwasun Agunjabe. Vous avez déjà eu un peu le résumé, hein, pour te donner envie de le lire. C'est un livre facile à lire. Il fait un roman de environ 350 pages. Les chapitres sont pas longs. Et en plus, c'est une sœur chrétienne qui l'a écrit ce livre. Donc, n'hésitez pas à l'encourager. Il coûte pas cher. Donc, je mettrai toutes les infos pour pouvoir acheter le livre en barre d'infos. Vous aurez le prix, le site et tout ça. En tout cas, c'est le livre de l'année. Ok. c'est le livre qu'il faut commander. C'est le livre qu'il vous faut. Souviens-toi. Bisous, bisous.